Notre association, son premier but, c'est la connaissance des champignons, c'est la connaissance des milieux dans lesquels les champignons poussent, c'est la connaissance des plantes, c'est la connaissance des milieux dans lesquels les plantes poussent, et on apprend donc à les reconnaître et à voir un petit peu toutes ces interactions qu'il peut y avoir entre champignons et plantes, entre champignons et milieux. Et donc, autant auparavant on était tourné vers la prévention des intoxications, autant maintenant on est bien plus tourné vers la problématique environnement, donc champignons, milieux, inventaire et tout ça. Enfin, la maison des associations est ouverte et nous tenons une séance le lundi soir à partir de 19h30. Le grand public peut venir avec un panier de champignons et faire expertiser ou déterminer ce qu'il y a dans le panier. Ça, c'est un vrai problème parce que on va mettre un nom éventuellement sur tout ce qui est dans le panier, mais s'il y a des choses qui sont restées dans le coffre de la voiture ou à la maison, ça, on ne mettra pas de nom dessus et on ne pourra pas s'engager là-dessus. C'est aussi la problématique du pharmacien. L'actualité du champignon qui pousse, c'est l'amori, encore que maintenant, notamment en plaine, c'est révolu. L'actualité, c'est essentiellement la botanique maintenant qui va démarrer, puisque les plantes vont devenir vont sortir du sol et vont devenir des fleurs, et donc les botanistes vont pouvoir s'émerveiller autour des plantes et des fleurs. Quand nous sortons sur le terrain, en sortie mensuelle au programme ou pas, nous établissons des listes des espèces de plantes ou de champignons que l'on détermine, et ces plantes et ces champignons sont ensuite enregistrés dans des bases régionales qui permettent de connaître la diversité en plantes et en champignons dans la région. Donc là, c'est une activité au fil de l'eau. Et puis de temps en temps, on contractualise, donc on signe une convention avec une institution pour la réalisation d'inventaires, que ce soit de plantes ou de champignons, là aussi pour avoir un renseignement sur la diversité en plantes et en champignons dans le milieu dans lequel on se trouve au moment où on signe la convention. C'est important puisqu'on connaît beaucoup de choses sur la faune, on en connaît beaucoup sur la flore et notamment sur les plantes, on en connaît un petit peu moins sur les champignons, et toutes ces problématiques, il y a aussi les mousses, puisqu'on a des spécialistes de mousses qui éditent des ouvrages.